Monsieur Dubillard, vous venez d'inaugurer de façon officielle votre quatrième McDo, votre cinquième McDo, McDonald's, à Saint-Jean-Port-Joli. Vous avez trouvé le nombre d'employés suffisant pour... On a créé 70 emplois présentement. On est toujours à la recherche de bons joueurs d'équipe pour faire partie de notre meilleure équipe. Donc oui, on a une bonne équipe complète, mais on est toujours à la recherche. Temps partiel, temps plein. Parce qu'on sait que chez McDonald's, ça tourne quand même au niveau des études, ces choses-là. Donc j'invite les gens à venir postuler en restaurant ou via Internet. Là. Toujours à la recherche de bons employés. Vous êtes ouvert 24 heures sur 24? Le service au volant, en effet, est ouvert 24 heures sur 24. La salle à manger est ouverte environ entre 20 et 21 heures par jour quand même. Okay. Donc c'est un grand service. Puis vous donnez dans le milieu, M. Dubillard, je pense que vous demandez aux organismes de vous contacter. Oui, d'ailleurs, ce que je mentionnais, j'invite les organismes de la région qui ont besoin d'un soutien financier dans le cadre de notre grand McDo qui a lieu en mai prochain à venir nous faire leur demande directement au restaurant pour les aider financièrement. Via le grand McDo, Jacques Dumont, notre gérant ici, est toujours dans les premiers au Canada au niveau de la cueillette de fonds. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la région. D'ailleurs, M. Dumont, il a été nommé gérant de l'année au Canada, je pense. Oui, effectivement, Jacques Dumont, l'ancien gérant de la Bocassière, qui est maintenant ici à Saint-Jean-Port-Joli, a gagné en 2018 gérant de l'année à travers le réseau au Canada. Merci, monsieur. Merci beaucoup.